moi je suis Coulibaly Samora. Alors j'interviens aujourd'hui pour dire aux gens, moi personnellement, je parle en mon nom propre, je ne suis pas du tout content par rapport à l'attitude de la jeunesse. Aujourd'hui ils ont fait un appel, ils ont dit aux gens de sortir, de venir devant la Sénélec. Le matin, les gens, à 9h30, les gens étaient sur place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a entendu qu'ils sont partis faire une conférence, je ne sais pas, une vidéoconférence avec le gouverneur et les autorités. Je pense que quand on appelle quelqu'un, la première des choses, c'est de venir le recevoir. Il ne devait pas répondre à une quelconque autorité. Ce qu'il devait faire, c'était d'abord répondre au peuple. Même quelle que soit la difficulté, on va faire face à cela. Même si les gens n'ont pas dit qu'il faut être agressif. On peut venir, même après négociation, mais il fallait que le peuple les trouve là-bas. Et la conférence, ça devrait se tenir après le sitting. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Je ne suis pas du tout content par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça, c'est anormal. Comment peut-on appeler les jeunes et aller se mettre sous les climatiseurs et faire une vidéoconférence? Là, je dis non, ça, c'est pas bon. Il fallait que les gens s'arrêtent. Ensemble, nous allons négocier de la procédure à suivre. Je vous remercie. Rappelez le but. Le but du sitting, c'était seulement venir montrer un peu notre mécontentement par rapport à ce banque. Les gens n'ont pas dit d'être agressifs, les gens n'ont pas. C'est de venir juste s'asseoir. Et les gens sont venus avec leur masque, ils allaient respecter les normes, etc. Mais ils sont venus, ils ont tout mélangé. Je pense que dans leur tête même de ceux-là qui ont appelé, ils n'ont pas compris.